Ce type de projet a été créé par le gouvernement car il veut appliquer à plus grande échelle des opérations de nutrition et parce qu'il y a un grand besoin au Mozambique. À l'heure actuelle, les taux de malnutrition chronique sont vraiment en hausse. Ils sont au-dessus de 40%. Et c'est généralement le cas dans l'ensemble du pays, bien qu'il y ait certains endroits où le taux est beaucoup plus élevé. À Maputo aussi, ils ont découvert qu'il est supérieur à 30%, ce qui inclut aussi des districts comme Bohan. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important que les élèves prennent une partie du repas, parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de nourriture. Lorsque nous avons commencé cette opération, notre alimentation scolaire était financée par ADRA International. L'autre partie du don provenait de la nourriture que nous recevons encore aujourd'hui de Rise Against Hunger. Grâce à ce projet, ils reçoivent du riz qui est livré dans un paquet avec du soja et des légumes déshydratés. Chaque paquet contient un sachet de vitamines que nous distribuons. Ainsi, chaque fois qu'ils reçoivent une ration qui équivaut à 700 calories, c'est en supplément de ce qu'ils reçoivent de chez eux. Lorsque nous avons commencé le projet, nous avons fait de l'anthropométrie, ce qui signifie que nous avons mesuré la taille et pesé le poids des élèves et nous les avons analysés. Ensuite, nous avons découvert que 50% des élèves souffraient d'insuffisance pondérale. Ce nombre date de l'année dernière. Nous allons donc peser de nouveau les élèves. À l'heure actuelle, nous avons constitué un groupe que nous suivons chaque mois afin d'obtenir des résultats concrets pour voir si les changements sont acceptables. Ce que nous avons constaté jusqu'à présent, c'est que le nombre d'élèves a augmenté. Nous comptions au début 9366 élèves. À l'heure actuelle, nous en comptons 13453. L'année dernière, lorsque nous avions terminé le projet, nous avions 11656 élèves.